La préservation de la cohésion sociale et de toute calamité est le fait des Komiens ou féticheuses dans la tradition Nzima. Les Komiens ont aussi un rôle de guérison et de protection du peuple. Il y a des garçons qui viennent, ils viennent t'expliquer des problèmes, tu vois. Mais nous, on est là pour arranger. On n'est pas là pour gâter. Si le monsieur, on doit appeler la femme pour parler entre les deux, on les appelle et puis on arrange. Mais si la femme aussi vient, vous venez nous voir que ah, mon mari, je veux que je l'attache. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Dieu nous a créés pour aider les gens, mais on ne nous a pas créés pour tuer ou bien pour attacher. Pendant 2 semaines, ce rôle est mis en veilleuse au profit de la Bissa. C'est en fait la Bissa qui reprend ce rôle de cohésion à travers la critique sociale. La critique sociale reflète la notion de démocratie Nzima dans toute sa plénitude. Ici, toutes les barrières sociales sont levées. Le peuple dénonce ou magnifie selon les actions menées par tout membre de la communauté, y compris les hautes autorités royales et coutumières durant l'année écoulée. Nul n'a le droit de se fâcher. C'est un bilan qui assure l'équilibre social du peuple et les chansonniers ne peuvent être poursuivis ni sanctionnés après leurs critiques. Au cours de la journée du jeudi, les chansonniers Ananzin d'Azuriti ont salué les performances du président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Amichia, lui qui a réussi à positionner la Bissa au plan international.